Lorsque vous êtes une femme et vous êtes amoureuse d'un homme riche, richissime, nanti, relativement riche, pour avoir part à la gloire de la richesse de cet homme, il faut gagner son cœur. Il faut séduire son cœur. Si vous réussissez dans l'opération de séduction, tous les biens de cet homme vous appartiendront. Voilà pourquoi vous verrez une femme, elle se marie à un monsieur bien et le lendemain, elle roule dans de grosses voitures. Laissez-moi vous dire une chose. La beauté d'une femme, c'est son caractère. La beauté d'un homme, c'est son caractère. Si vous voyez une femme aimer son mari, c'est que cet homme fait des choses qui poussent cette femme à l'aimer. Lorsque vous voyez un homme aimer une femme, au point où vous dites, ah non, elle a charmé l'homme là, elle lui a donné le tobassi. Il n'y a pas de plus grand tobassi qu'un bon caractère. C'est que la femme là, elle est avec cet homme, ce que plusieurs ne sont pas pour lui. Et c'est pour cela qu'il l'aime. Vous pensez qu'elle a envoûté votre enfant? Elle ne l'a pas envoûté. Ou alors peut-être elle l'a envoûté par son bon caractère, par sa façon de l'aimer, par sa façon d'être avec elle. C'est la même chose avec Dieu.